فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي في الله فما زلنا نقرا هذا الشرح وهو شرح الدروس المهمه لعامه الامه لشيخنا الفاضل عبد الكريم الخذير حفظه الله تعالى أخانا عبد الحق اقرأ من قوله بيان أركان الإسلام الخمسة بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له واما شروط لا اله الا الله فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والاخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله، وقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما، سوى الإله من سوى الإله من الأشياء قد ألها. حسبك، بارك الله فيك، أحسنت. طيب. إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس الثاني بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى Dans sa deuxième leçon, des leçons importantes pour toute la communauté, yani la, les gens de la communauté de Muhammad, alayhi wa sallam, les piliers de l'islam, l'exposé des cinq piliers de l'islam. Il dit le premier pilier et le plus important des piliers, c'est l'attestation La ilaha illallah, nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc, ce pilier-là, bien sûr, on doit le connaître, on doit le prononcer, mais on doit aussi comprendre le sens de ces mots, de ces phrases. On doit savoir ce que cela implique et on doit bien sûr mettre en application ce que ces choses-là impliquent. Et parmi les choses que l'on doit connaître vis-à-vis -vis de la parole La ilaha illallah, et eh bien connaître les conditions, shorot, les conditions de la ilaha illallah. Taïb et un charto, une condition, c'est une chose sans laquelle l'acte ne sera pas valide. L'acte ne sera pas valide, c'est une condition. D'accord Lorsque tu dis tel ou tel acte possède des conditions, cela signifie que tu dois réunir toutes les conditions. Pour que l'acte soit valide dans le sens où l'absence d'une de ces conditions là fait que l'acte n'est pas valide c'est bon quand tu entends les conditions de la prière et eh bien sache que si une condition vient à manquer l'acte ne sera pas valide d'accord c'est pour ça qu'il est important de connaître les conditions de la parole qui fait de toi un musulman qui est La ilaha illallah et on a dit que la première obligation qui incombe à l'individu c'est quoi euh, La tawhid la première des choses qui nous incombe à tous c'est la tawhid ce n'est pas la méditation, c'est pas la réflexion c'est pas l'observation, c'est pas le doute comme disent certains Parmi les innovateurs Non, c'est le tawhid C'est le tawhid C'est la première et la dernière des choses Comme l'a dit le prophète wa sallam, Celui qui a pour dernière parole La ilaha illallah Entrera au paradis Donc c'est la première et la dernière Des obligations qui nous incombent Jahid. Et donc le sens de la ilaha illallah On a dit Premièrement euh, Le premier Donc pilier de la ilaha illallah, qu'est-ce que c'est, premier pilier la négation. la négation. La négation, qui consiste à dire la ilaha. La ilaha. Et qu'est-ce que tu nies dans cette négation-là Tu nies quoi exactement euh, Toute forme d'adoration. Voilà. Tu nies toute forme d'adoration ou tout caractère divin pour autre que Allah subhanahu wa taala, c'est ça que tu renies. Et le second pilier, c'est quoi euh, L'affirmation. L'affirmation, l'ithbath qui se trouve dans la parole, il la Il Donc on a deux piliers, la négation, ou l'affirmation. Là il il la ilaha, Allah. Et qu'est-ce que tu affirmes euh, Allah est... Est... Tu affirmes l'adoration pour Allah et Allah seul. لو فيه الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله تقدر تقول كما الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين كما قال ابراهيم عليه السلام لشو مو ديزاڤو دو الله سبحانه وتعالى Seul et personne d'autre. non. Et puis on avait évoqué euh, l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui nous rappelle du coup qu'est-ce que cette attestation-là euh, implique et qu'est-ce que ça engage chez l'individu qui atteste de cela. J'bris. Ouais. vous avez dit qu'il y avait quatre conditions. La première condition c'était l'obéissance. À qui Donc, en fait, Au à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Obéir en ce qu'il a ordonné. D'accord Ta'atuhu Première chose. Deuxième chose C'était de croire de croire en tout ce qu'il nous apportait comme information. Tasdiquhu

Adorer Allah uniquement de la manière, de la façon dont le prophète alayhi wa sallam, il nous a légiféré D'accord Donc celui qui dit ça, il faut lui faire comprendre. Quand tu attestes cela, ça ne veut pas seulement dire que tu crois en lui ou que tu l'aimes. Non, ça implique ces quatre choses de manière précise. Bien sûr, tu dois l'aimer. Bien sûr, tu dois l'aimer, le prophète Mohammed. Mais ça implique ces quatre choses aussi. Si tu l'aimes, obéis à ses commandements. Si tu l'aimes et tu prétends suivre et attester que c'est le messager d'Allah, écarte-toi de ses interdits et crois en tout ce qu'il a rapporté. Et quatrièmement, adore Allah. Que comme il a légiféré. N'invente pas. Reviens à sa sunnah. Toujours. Jaïd Non. Après, qu'est-ce qu'on a dit encore Taïk. On a dit que l'acte ne sera valide qu'à travers deux conditions. C'est quoi ces deux conditions à part Jibril. C'est la sincérité envers Allah. Ahsan, Ikhlas en arabe, on dit Ikhlas l'illah. La sincérité exclusive à Allah. Wa ta Et la deuxième Que soit conforme à Très bien, ce qu'on appelle la conformité avec la sunna. جيب خفاة صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم طيب الآن أركان شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما أن قول لا إله إلا الله له ركنان النفي والإثبات فالشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أيضا ركنان الركن أو الركن الأول عفوا هو الاعتراف برسالته الأول هو الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم والركن الثاني اعتقاد عبوديته Concernant maintenant, donc toujours l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, et eh bien comme la parole La ilaha illallah, on avait dit qu'elle avait deux piliers, le premier la négation et le second l'affirmation, et eh bien sachez que l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah a également deux piliers. Elle a également deux piliers. Quels sont ces deux piliers Le premier, c'est quoi Eh bien le fait de reconnaître. La véracité de son message. Reconnaître, croire que le message avec lequel il est venu est un message véridique qui vient de la part de son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Premier pilier. Second pilier, est eh bien, le fait de croire au fait que c'est un serviteur. I'tiqad ouboudiyatihi. D'accord Donc, non seulement, c'est pour ça qu'on dit wa wa On a les deux piliers ici. On doit croire que c'est son messager. Donc, si on croit que c'est le messager d'Allah, forcément, on doit croire en son message. Et, second pilier, Abduhu. C'est le serviteur d'Allah. Donc, c'est un être humain parmi les enfants d'Adam. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'être adoré. On n'a pas le droit d'adorer le prophète Mohammed. On n'a pas le droit de sacrifier une bête pour le prophète Mohammed. On n'a pas le droit de lui donner des attributs de seigneurie comme certains lui donnent. Qui disent que le prophète, il a un, un pouvoir de gestion sur l'univers. Là, il sallallahu alayhi Le prophète n'a aucun pouvoir sur l'univers. Cela n'appartient qu'à Allah. Vous voyez, on n'a pas le droit d'invoquer le prophète, alayhi wa sallam, de lui demander des choses après sa mort. C'est pour ça que on dit que l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah implique deux piliers. Croire bien sûr en son message, mais croire aussi que c'est un serviteur d'Allah, Abdullah. Comme 'abdullah il dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Je ne suis qu'un serviteur. »« Je ne suis qu'un serviteur. » Donc, dites euh, à mon propos, le serviteur d'Allah est son messager. Le serviteur d'Allah est son messager. J'ai Fala yurfa' fauqa manzilatih »« Fayakounu lahu khasisatun min khasaisi l'uluhia »« Fayakounu lahu khasisatun min khasaisi l'uluhia »« Fayakounu lahu khasisatun min khasaisi أو أنه يقضي الحاجات ويفرج الكربات وقد وقد وصفه الله جل وعلا بالعبودية في أشرف المقامات المقام الأول في إنزال القرآن قال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده على عبده دونك Comme il dit le prophète, je ne suis qu'un serviteur. Dites de moi le serviteur d'Allah et le messager d'Allah. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il nous dit, le prophète, qu'on n'a pas le droit de l'élever au-dessus du degré auquel Allah il l'a mis, qui est le degré de messager d'Allah, certes, mais de serviteur. De serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, interdiction de... L'élever, de le mettre plus haut que ce degré-là, et du coup de lui donner des particularités de quoi De divinité. Ou de seigneurie hein, qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ou de croire par exemple qu'il connaît l'invisible. Le prophète ne connaît pas l'invisible. Ne connaît pas l'invisible. Les informations qu'il nous a amenées concernant le futur ou concernant le passé proviennent d'Allah. C'est Allah qui lui a transmis. Et c'est Allah qui lui a révélé ces choses-là. Mais sans ça, il ne peut pas connaître ces choses-là de lui-même. Taïb, il ne ni ne profite, ni ne peut te nuire. Taïb, si ce n'est avec la permission d'Allah, de son vivant. Tu n'as pas le droit de croire qu'il a la capacité après sa mort de répondre à tes invocations, de te soulager de tes épreuves car seul Allah tabaraka wa ta'ala est capable de faire ces choses-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sache que il a défini son prophète wa sallam, par al-ubudiyya. c'est eh bien l'état de la créature qui est donc un serviteur, un 'abd, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a qualifié d'abd, de, de serviteur dans les euh, les situations ou les états les plus honorables qui soient. Par exemple, dans le verset de la Sourate Al-Furqan, où dans le sens il dit Infini est la bénédiction de celui qui a fait descendre Al-Furqan, c'est-à-dire el quran sur son serviteur. Regardez Allah comment il a appelé le Prophète ici. Il a dit Abdi, sur son serviteur. Et pourtant, c'est. Une révélation immense, le fait qu'Allah descende le Coran sur quelqu'un. Vous voyez, malgré ça, il l'a appelé comment? Abdi, son serviteur. Fi al-Isra, qu'Allah subhanahu wa taala الذي أسرى بعبده. Également, il a appelé comme ça concernant le fait que Allah il a fait voyager de nuit avant de lui faire faire l'ascension. Il a dit dans le sens. Gloire et perfection à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur. Bi'abdi. Jayyid. dit, Thalithan, fi maqam salat, wa dua. Wa ennahu lam maqam abudullah yadrouhu. Abdullah, ayy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. troisièmement, dans la situation de la prière et de l'invocation, Allah jalla wa l'a appelé Abdullah. Le serviteur d'Allah. Dans le sens, il dit Et lorsque le serviteur d'Allah se leva et l'invoqua. Le serviteur d'Allah, Abdullah. Rabi'an fi maqamil hifz wal kifaya ala sallahu bi kafin abdahu. Alayhi sallahu bi kafin abdahu. Et également dans la situation de la protection, sous la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'Allah il lui suffit. Dans le sens, Allah dit Est-ce que Allah ne suffit pas à son serviteur Abda. C'est-à-dire, il parle ici du prophète Mohammed. Donc regardez comment Allah Il a ici qualifié son, son prophète en disant que c'est son serviteur. Est-ce que c'est clair, les frères ouais. Alhamdulillah. نفى العبادة عن جميع ما سوى الله سبحانه أثبتها لله سبحانه وبعضهم يقدر لا إله موجود وهذا التقدير مفاده نفي لوجود الآلهة التي تعبد من دون الله دوك ولا دي لا إله لا نيغاسيون دو تو سكي تادوري ان دوار الله تبارك وتعالى إلا الله لا فيرماسيون دادوراسيون بوغ الله يا الله سول سان اسوسيي Donc Après avoir nié l'adoration pour tout ce qui est en dehors d'Allah, de tu dois la fermer pour Allah. Et certains disent que ce qui est sous-entendu lorsque tu dis la ilaha, c'est le fait qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, mawjoud, existante. Il n'existe pas. Il n'existe pas de divinité digne d'être adorée illallah, sauf Allah. C'est vrai. Parce que ce qui est authentique, c'est le fait que tu nies en disant ça La ilaha l'existence de divinités adorées en dehors d'Allah tubara C'est-à-dire l'existence de divinités adorées de manière légitime. De manière légitime en dehors de lui. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha mawjud, La ilaha illallah wa ta'ala. Donc, la négation ici, elle sert à nier l'existence de la chose. On a vu que la négation dans les textes peut servir à nier plusieurs choses. Soit l'existence, comme ici, mais soit aussi la validité. La validité. La salata, les bi kitab. La salata, les bi Pas de prière pour celui qui n'a pas lu. La surat al-fatiha. Donc la négation ici elle concerne quoi L'existence, la validité ou la complétude L'existence, Non, l'existence elle existe. La, la personne prie de manière yani, apparente, elle prie, mais elle n'a pas récité surat al-fatiha. Donc la validité. Ça veut dire pas de prière valide pour celui qui n'a pas récité surat al-fatiha. El elle n'est pas valide. Même si elle existe yani, physiquement, il est en train de prier mais la Elle n'est pas valide. Et dans d'autres textes, la négation va servir à nier plutôt la perfection de la chose. Donc la chose, elle est valide, mais elle n'est pas parfaite. Elle est diminuée. Par exemple, la salata bi ta'am. La salata bi ta'am. Pas de prière en présence du repas. Lorsque le repas, une fois que le repas il est servi. Djaïd, pas de prière. Mais est-ce que ça veut dire que si tu pries quand même, ta prière, elle n'est pas valide Non, elle est valide. Ça n'annule pas ta prière. L'akin, elle est diminuée. Pourquoi Parce que tu es moins concentré. Ton esprit sera ailleurs. Ça Mais la négation ici, dans la parole, la ilaha, sert à nier quoi L'existence. Il n'y a pas de divinité. Ça n'existe pas. Aucune divinité mérite d'être adorée, sauf Allah. C'est bon صح نفي الالهه مع وجودها لان الالهه موجوده في الارض هناك الهه كثيره عديده نقول هذه الالهه وان ادعى عابدوها انها الهه فهي في الحقيقه ليست بالهه ليست بالهه كذلك فوجودها مثل عدمها دونك سي سيغتان تو جيز باغ اكزامي كومون بيو تو دير كو با دو جيفينيتي اكزيستونت ان دوار الله تبارك وتعالى ماجري كو ماجري لو فيك Elles existent Il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah de et qui sont prises comme étant des divinités. Hein? Eh bien, tu réponds que ces divinités, ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah, de, de même si ceux qui les adorent prétendent que ce sont leurs divinités et des divinités, comme ceux qui adorent euh, les déesses parmi les, 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 les dieux grecs et les déesses grecques et, euh, ou les bouddhistes et ainsi de suite, euh, ou les hindouistes, ou les shintoïstes et autres. Hein Donc même si eux, ils prétendent que ce sont des divinités, eh bien, dans la réalité des choses, on sait, nous, que ce ne sont pas des divinités. C'est pas des divinités. C'est des statues, c'est des choses, des humains. C'est même peut-être des, des, des djinns, des là on n'en sait pas. Mais ce ne sont en aucun cas des divinités. Car il n'y en a qu'un seul. Le vrai Dieu, la vraie divinité, le seul, c'est Allah subhanahu wa taala. Donc du coup, leur existence, en vrai, elle n'est pas véritable. C'est pas une vraie existence, car en vérité, c'est pas des divinités. Donc c'est comme si elles n'existaient pas. Elles n'existent que dans l'esprit des gens qui les adorent, mais dans la réalité, elles n'existent pas, car ce sont juste des créatures et non des divinités. C'est bon, إذن لقن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان وإذا قالها غير المسلم علم من دخل في الإسلام. donc le premier pilier des cinq piliers de l'islam et l'hamdoullah on on les connaît tous bien la al-azawajel et bien c'est les deux attestations de foi الشهادتان الشهادتان. donc lorsque le non musulman prononce ces deux attestations de foi, en étant conscient et en connaissant le sens de ce qu'il prononce, en prononçant ces paroles-là avec science, sciemment, eh bien, elle entrera en islam en faisant ça. Mais encore une fois, on doit expliquer à la personne tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en détail, les piliers, de la la ilallah, les piliers de Muhammad wasallam ce que ça implique, les quatre choses que ça implique, etc. etc. D'accord Car, encore une fois, Allah dit La ikraha fid din. La ikraha fid din. Tu ne peux forcer personne à croire en Allah ta ta dans la religion. Ça n'existe pas la contrainte. Tu ne peux pas faire entrer la foi dans le cœur de quelqu'un de force. Non. Il n'y a que Allah ta ta qui est capable de tourner les cœurs donc toi ta seule mission c'est d'expliquer aux gens d'expliquer aux gens ce que cela implique s'ils euh, acceptent alhamdulillah, et s'ils n'acceptent pas eh bien ils ne pas, ils il ne pourra pas entrer même s'il prononce shahadatan il y a mille fois tant qu'il n'accepte pas ce que cela implique ça servira à rien Jayid n'ah wa hadha khilaf من انه قد يقول لا اله ثم يموت من غير ان يكمل مثلا يقول لا اله ثم يموت يعني مات على قول لا اله طيب فينفي جميع الالهه لم يقول الا الله يقول لا اله ثم يموت ولا يتمكن من اثبات الالوهيه لله سبحانه وتعالى ولذا هم يقتصرون هؤلاء المبتدعه يقتصرون في ذكر على لفظ الجلاله الله لم يقولوا لا اله الا الله يقولون الله 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 الله, الله. ولذلك لو يعني لو كانوا يموتون يموتون على كلمه الله طيب فيغلو بعضهم ويزيد فيقول قد يموت بعد النطق ببعض الكلمة دون بعض مثلا يقول الله ثم يموت الله الله طيب لم يكمل الله فيقتصر على الضمير هو اللي هو طيب ينبغي ان نقول هو نسال الله العافيه والله والضلال لا نهايه له الضلال لا نهايه له فنسال الله جل وعلا ان يهدينا صراط المستقيم Donc nous, on dit que pour entrer en islam et pour être un musulman, il faut prononcer l'attestation de foi du début à la fin. On doit prononcer cela avec science, avec compréhension, avec connaissance de cause. Mais certains innovateurs, ils te disent non. Te disent, vu qu'il se peut que la personne dise la ilaha, et puis Allah il décrète qu'elle meurt à ce moment-là. Comment on fait Elle sera morte sur une négation. La ilaha, pas de divinité. Elle sera morte sur quoi Sur l'athéisme. Sur l'athéisme. Parce qu'elle n'aura pas eu le temps de dire illallah Et donc, elle n'aura pas eu le temps d'affirmer Allah wa'ala, l'uluhia. Al et donc, ils disent que. Il faut qu'ils disent qu'Allah. Il ne faut pas dire Allah, il faut dire juste Allah. Allah, Allah, Allah. Hein Et certains, ils, ils vont encore plus loin que ça. Ils vont plus loin. Ils disent parce que s'il dit Allah, mais qu'il meurt avant de pouvoir dire toutes les lettres du nom oui. d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imagine, il dit Al, Et il meurt sur ça. Sur Al, Alif, Lam. C'est quoi Lam Ça veut dire quoi Ça veut rien dire. dit Et donc... Il faut qu'ils disent encore plus court qu'Allah C'est à dire Et c'est pour ça que Certains tu les vois Ils sont dans la mosquée Et Et après ils rentrent en transe, Ils se lèvent et ils commencent à À faire des Ouais ouais Ils existent encore Même en France Même en France ils existent nous on croit que ça existe que dans les coins reculés, t'as le bled et tout. Même en France ils sont là. Il des mosquées, ça danse, ça saute, ça transpire, ça se met en transe carrément. J'ai dit Amen, amen. Donc il dit, comme il dit le la L'égarement n'a pas de limite. L'égarement n'a pas de limite. Si tu cherches, tu vas trouver des choses incroyables, incroyables. Demande à Allah qu'Il nous guide et qu'Il nous raffermit sur le chemin. المستقيم، الله، فبعض هؤلاء يقول في اليوم الواحد مئة ألف مرة الله، 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 مئة ألف مرة في اليوم، وهذا ليس كلاما مفيدا، هذا ليس كلاما مفيدا، الكلام المفيد هو لا اله الا الله هذا كلام مفيد هذا كلام لكن كلمه الله ليس بكلام ليس بكلام لان الكلام المفيد هو الذي يحسن سكوت عليه فاذا قلت الله سيقول القائل ماذا عن الله الله ماذا الله اكبر الله اعظم الله هو القاهر في كل قاهر فوق كل شيء الله ماذا لان اللفظ المفرد لا تقع به فائده، ما في فائده. وهذا فضلا عمن يردد ليل نهار هو 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 هو. سبحان الله. نسأل الله العافيه. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بل ان احدهم يقول: بذكر الله تزداد الذنوب. سبحان الله، بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. Donc, certaines personnes, à cause de ce genre de croyances déviantes, ils vont passer leur journée à répéter des fois 100 euh, mille fois. 100 mille fois. Allah, 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 Allah. Mais, ils n'auront prononcé que le nom de, du Seigneur, de Sa Majesté, Allah subhanahu wa Mais, en vrai, ils n'ont pas prononcé une parole yani utile ou profitable. C'est pas ce qu'on appelle en arabe un Ce C'est même pas un kalam en fait, c'est un mot. Kalima. Wow. c'est le nom d'Allah Mais en arabe, c'est pas un kalam. parce que un kalam, pour être un kalam, il faut que ce soit un un murakab, al-mufidu bil Comme a dit Ibn Ajurum un kalam, pour que ce soit un kalam qui est profitable, il faut que ce soit non seulement un lof, donc un lof, c'est quoi un lof C'est une prononciation avec la langue. Un lof c'est quoi les frères Un c'est une prononciation de la langue qui sort de la bouche et qui est composée de certaines lettres de l'alphabet arabe, qui commence par elif et qui finit par yeh. Ça, c'est un love. Donc, pour l'instant, Allah, le nom d'Allah, il est composé de 1, 2, 3, 4. 4 lettres. D'aïd. Donc, c'est un love. Mais maintenant, est-ce que c'est un love de Un love de Donc, pour que le Kalam il soit Kalam, il faut qu'il soit Murakab. Ça veut dire quoi Murakab Non. Un sens Non. M'a un amour à

Il faut que ce soit, cette, ce calem là il faut qu'il soit composé de minimum de mots. Donc, un seul mot, ce n'est pas un calem c'est un mot. Et ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un calem D'ailleurs, minimum de mots ou plus. De manière explicite ou implicite. Mais quand tu dis Allah, 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 ça veut dire quoi c'est un mot. C'est pas un calam. Et en plus, il faut qu'il qu soit mufid. Mufid, même à mufid. Parce que euh, quand on dit le mot ou la phrase, on n'a plus rien à dire de verre. Voilà. On a eu la formation. Ma'afa de faïda. C'est une phrase qui va t'apporter un profit, une information utile. Ça y est? Yesuna Ali Mottakallim qui fait que celui qui parle, il peut s'arrêter de parler. Et que celui qui écoute n'attend pas quelque chose derrière, une information derrière. Il dit Allah, 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 Allah. Qu'est-ce que tu veux dire par là Allah est le plus grand. Tu veux dire quoi par Allah, Allah, Allah Donc ce n'est pas un calme. Il faut qu'il soit bil Il faut qu'il soit Bil Bilwad'i. Il faut qu'il soit Arabi. Il faut qu'il soit Il faut qu'il soit respectueux des règles de la langue arabe. Et deuxièmement, que celui qui parle a l'intention de prononcer la parole. Donc, celui qui n'a pas sa raison, le fou, quand il parle, ce qu'il dit, ce n'est pas un kalem. Parce que ce qu'il dit n'est pas volontaire, il ne pas ce qu'il dit. Celui qui est sous il a bu et il est ivre. Il va prononcer des paroles, mais pour nous, ce n'est pas un kalem. Parce qu'il n'a pas l'intention de prononcer ce qu'il prononce. Le perroquet, il parle le perroquet. Oui. Mais est-ce que c'est un KLM oui. Ce n'est pas un KLM. Oui. Parce qu'il n'a pas l'intention de ce qu'il dit. C'est juste... Oui. Il répète. Mais est-ce qu'il a l'intention Lorsqu'il dit euh, a Hassan, Hassan, Hassan. Il n'a pas l'intention de dire Hassan. Il répète juste des sons, lui. C'est un son pour lui. C'est tout. C'est bon Donc ces gens-là, ce n'est même pas des, des, des KLM qu'ils prononcent. Ce n'est même pas une parole. qu'ils disent Allah, 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 Allah. Euh, et donc c'est un loft, c'est certes le nom d'Allah t'a parraquait ici, mais il n'y a aucune faïda derrière. Il n'y a aucune faïda. Encore pire, celui qui dit juste ⁇ ou 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 ça, ça, c'est vraiment un eux c'est n'est même pas le nom d'Allah, c'est un damir. C'est hein? quoi hmm. le jugement sur On ne pas ce qu'il dit. On n'en prend pas en compte. Donc, par de compte. De... Bien sûr. Comment tu peux émettre un jugement sur quelqu'un qui sait pas ce qu'il dit, qui se contrôle pas, Il se contrôle pas. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Une colère qui fait que la personne ne se maîtrise plus. Un contrôle. Il des qui... Ce n'est pas pris en compte. Pas pris en compte. C'est comme ceux qui sont tellement en colère qu'ils divorcent leurs femmes. il prononce des paroles de divorce mais euh, de manière incontrôlable. Taïb. les savants, ils disent que le divorce n'est pas effectif. Il ne prend pas effet. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas l'intention de divorcer. Mais c'est la colère qui l'a amené à prononcer ce genre de paroles. Taïb. Donc, euh, et certains disent même parmi leurs imams qui est Ibnou Arabi. Donc, Ibn Arabi, ne pas confondre avec Ibn El Arabi. D'accord Ibn Arabi avec c'est le sunni. Mais il y en a un autre qui s'appelle Ibn Arabi. Ibn Arabi, lui, il est très dangereux, par contre. Et parmi les, les paroles qu'il a prononcées, qui sont très dangereuses, il dit que en faisant le rappel d'Allah, les péchés augmentent. Et carrément, il te dit, ne, ne, ne mentionne pas la Tabarakwata. Ne dis pas la ilaha illallah. Il te dit que si tu dis la ilaha illallah, tu mentionnes la Ta'ala, les péchés ils augmentent. Et les, la clairvoyance et les cœurs yani, euh, sont effacés. billah. Et cette personne-là, Ibn Arabi, pour, pour ceux qui, qui, qui le suivent et qui l'écoutent, ils disent que c'est un wali, un allié d'Allah, c'est un saint, et ainsi de suite. Et il est adoré en dehors d'Allah, etc. Donc, il y a des groupes qui font des choses euh, incroyables. « Donc, ce qui est correct et chose euh, pour laquelle il n'y a aucune échappatoire, eh c'est que la personne, si elle entre en islam sans prononcer les deux attestations qui sont « ashhadu an ilaha واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سونيسلام نو سيغا جيد واما من تعلم هذه نعم واما شروط لا اله الا الله فهي سبعه شروط لا اله الا الله فهي سبعه واضاف بعضهم شرطا ثامنا On rentre maintenant dans les conditions de la parole la ilaha qui sont au nombre de sept et certains en ont rajouté une huitième. Donc, la première condition, c'est la science. La science qui... Est opposé, bien sûr, à l'ignorance. À l'ignorance. Donc, celui, ça veut dire quoi Ça veut dire que vu que la science est une condition de la parole La ilaha illallah, ça veut dire que si tu ne sais pas ce que signifie et ce qu'implique la parole La ilaha illallah, dans l'attestation, ne sera pas valide. Ne sera pas valide. Ça y est Non. رحمك الله, رحمك الله. إذن الشرط الأول هو العلم من شروط لا إله إلا الله وهو العلم بمعناها العلم بمعنى قول لا إله إلا الله المراد منها وما تنفيه وما تثبته قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للذنب وقال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أي يعلمون بمعناها. طيب والمراد منها وما تنفيها وما تقتضي وما تثبتها. أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون. يعلمون بقلوبهم ما شهدت Donc la première condition, là, on a dit c'est la science, la première des conditions de la parole là illallah Donc la science de quoi Quelle science Eh bien la science de la signification de cette parole là, là ilaha illallah la science de, cette, de sa signification, de son sens, et également la science de ce à quoi elle s'oppose, c'est-à-dire L'opposé de la parole La ilaha illallah qui est Al-Shirk. L'association à Allah subhanahu wa ta'ala et la science de ce qui va venir confirmer cette parole-là et euh, la, faire, yani, euh, se, la faire grandir dans le cœur de la personne. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Et sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Fa'lam. Et sache. Il dit également dans une autre surat Sauf ceux qui attestent de la vérité, de la ilaha illallah, tout en sachant, tout en connaissant la portée et le contenu de cette parole-là. Autrement dit, ceux qui savent dans leur cœur ce que leur langue prononce. Ceux qui savent dans leur cœur. Le sens de ce que leur langue prononce. وفي الحديث من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال وهو يعني ينطق بي لا يقول وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وكثير من الناس اليوم ينطق بها بلسانه ولا يعلم شيئا من معناها ولهذا يقع في الشرك وهو ينطق بها يقول لا اله الا الله لكن يشرك بالله سبحانه وتعالى ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويطوف حول القبور ويقول لا اله الا الله. لماذا؟ لانه لا يعلم معنى لا اله الا الله. علما صحيحا. جيد؟ ولما كان المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم يعلمون معناها. المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون معنى لا اله الا الله. ابو جهل كان يعلم معنى لا اله الا الله ابو لهب ابو طالب كانوا يعلمون معنى لا اله الا الله طيب وما تدل عليه قالوا اجعل الالهه الها واحدا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لا شيء عجاب فهم Donc, dans un hadith, il dit le prophète celui qui meurt en ayant la science du sens de la parole, la ilaha illallah, il entrera au paradis. Regardez, celui qui meurt, il n'a pas dit celui qui meurt en prononçant la parole, la ilaha illallah. Euh, ou en formulant l'expression La ilaha illallah, il a dit celui qui meurt en ayant la science de La ilaha illallah, ya Ta il, en connaissant le sens et en ayant la croyance, bien sûr, dans son cœur et l'acceptation et la reconnaissance du sens de La ilaha illallah, entrera au paradis. Et c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui disent La ilaha illallah. Mais ils ne savent rien de ce que cela signifie. Ils ne savent pas ce que cela signifie. C'est pour cela que leur ignorance fait que leur attestation n'est pas valide. Et leur comme elle n'est pas valide, cela fait que ils font quoi du shirk. Ils font du shirk. Ils vont invoquer autre qu'Allah. Ils vont sacrifier un agneau pour euh, pour un saint, un wali, pour le prophète wa sallam, pour, euh, pour les djinns, pour les chayatines, pour les djinns de la maison, comme ils disent. Hein, ils vont sacrifier un poulet. Mais ils disent « La ilaha illallah ». Matin et soir, à chaque prière, ils prient même. Et ils disent « La ilaha illallah », ils disent « an la illallah » dans chaque prière. Djaïd Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas ilm, ils n'ont pas la science. Ne savent pas ce que, vraiment ce que ça veut dire, la parole La ilaha illallah. Alors que les associateurs à l'époque du prophète Mohammed, ceux qui ont combattu le prophète Mohammed, eux connaissaient le sens, connaissaient parfaitement ce que ça voulait dire. Et la preuve qu'ils connaissaient parfaitement ce que ça voulait dire, lorsque le prophète leur disait La ilaha illallah, tuflihou. Dites-la, et la, ila, ila, Allah, vous réussirez. Ils il disait quoi Est-ce qu'il va faire des divinités, une seule divinité Ils ont compris ce que ça veut dire. Ça veut dire, ils ont compris, que ça voulait dire que il fallait qu'ils délaissent toutes les divinités et qu'ils devaient adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Dans leurs prières, dans leurs dua, dans leurs sacrifices, dans leurs tawaf, tout, dans leurs jeûnes, leur nether leur dans tout. Ils ont très bien compris ça. La preuve, leur paroles.

فمثلا تجد الشخص يقول لا اله الا الله وهو مع ذلك يطوف بالقبور ويزاول الشرك وهذا دليل على جهل من هذه حاله بمعنى لا اله الا الله ولما دعي كفار قريش ليقولوا لا اله الا الله او ليقولوا لا اله الا الله استنكروا وقالوا اجعل الالهه اله واحدا كما قلنا وحال كثير من من ينتسبون الى الاسلام ممن يتوف بالقبر يقول لا إله إلا الله دون حال أبي جهل يعني دون تحت حال أبي جهل في معرفة معنى لا إله إلا الله ومثل هذه الشهادة لا تنفع صاحبها صاحبها طيب نعم وكما أنا دي celui qui ne connaît pas le sens véritable de la ilaha illallah forcément il va tomber dans ce qui s'oppose à la parole sans même le savoir sans même s'en rendre compte On a dit, c'est peut-être que la personne dise, la ilaha illallah, il tourne autour des tombes. Ou ça donne l'association à Allah Ta'ala. Donc le fait que la personne dise, la ilaha illallah, et en même temps fait ces choses-là, ça prouve bien qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire. Sinon elle ne le ferait pas. Ça y est, sinon elle ne le ferait pas, ou elle ne dirait pas, la ilaha Soit l'un soit l'autre. Elle ne peux pas dire quelque chose et faire son contraire. Ça y est. Donc lorsqu'on a dit, même les incroyants de Quraysh, ils disaient lorsque le prophète les appelait à dire La ilaha illallah, ils n'ont pas voulu le dire car ils savaient que s'ils devaient le dire ils auraient dû délaisser toutes les divinités donc même eux, ils ont refusé de le dire ils n'ont pas fait comme font les gens aujourd'hui ils le disent et en même temps ils continuent à adorer d'autres divinités, ils ont dit non, non on ne dit pas et on continue à faire le shirk parce que si on le dit, on sait qu'on devra délaisser donc on délaisse on délaisse quoi La ilaha illallah". mais on garde les divinités et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup qui s'affilient à l'islam, eh bien, qu'est-ce qu'ils font Ils font du shirk en toute impunité. Et ils disent malgré ça, « La ilaha illallah ». Ils disent, « Le shirk, leur cas, il est encore plus grave que celui d'Abu Jahl. »« Il est encore plus grave que celui d'Abu Jahl. » Parce qu'Abu Jahl, lui, il savait au moins ce que ça voulait dire. Il savait ce que ça voulait dire. « La ilaha illallah ». Contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui qui s'affilient à l'islam, ils disent, « Le shirk, celui qui dit « La ilaha illallah », mais qui fait des choses qui s'opposent à « La ilaha illallah », ni au niveau du shirk qui va venir annuler sa parole, bien sûr, on a dit c'est une condition. Donc, quand la condition est absente, la chose ne sera pas valide. Sinon, ce n'est pas une condition. d'où l'importance de connaître les conditions de la ilaha illallah pour faire en sorte Et bien de les respecter, de les honorer jusqu'à la mort. B'idnilaha Azawajal. A واليقين اليقين المنافي للشك اليقين المنافي للشك إذا الشرط الثاني هو اليقين بأن يكون قائلها مستيقنا مستيقنا بما تدل عليه فإذا لم يكن في قلبه إلا الشك وعدم اليقين بما تدل عليه لم تنفعهم الذي قال لا اله الا الله لكن عنده شك عنده شك في معنى لا اله الا الله فلم تنفعه هذه الشهاده جيد قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا ابدا اي لم يشكوا بل هم موقنون تمام الايقان أما المرتاب فهو من المنافقين. قال سبحانه وتعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله اليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون donc la deuxième condition de la parole لا إله إلا الله elle y la certitude la certitude qui s'oppose à quoi au doute un doute, un donc la certitude c'est à dire il faut que celui qui prononce la parole la ⁇ illallah » soit convaincue à 100% de ce que cette parole-là, elle implique et l'engage. Jaïd Donc si il a dans son cœur ne serait-ce qu'une once de doute, sa parole ne sera pas valide. Sa parole ne sera pas valide. Elle sera valide que lorsqu'il aura dans son cœur la pleine certitude de cette parole-là et de ce qu'elle implique, et dans ce cas-là, elle lui sera bénéfique. Il dit, Allah, dans la description des croyants, dans le sens, il dit, les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et à son messager, et ensuite qui n'ont point douté. C'est-à-dire, ils n'ont eu aucun doute au sujet de cette parole-là. Au contraire, ils sont convaincus de manière totale, parfaite, de la véracité de cette parole-là. Quant à celui qui fait preuve de doute, il eh bien, fera partie des hypocrites, dans le sens Allah y dit, et ne te demande la permission de ne pas aller euh, dans euh, le, le, le champ de bataille, yani, Ceux qui n'ont pas cru en Allah et au jour dernier... Et dont leur cœur ont douté et qui sont dans l'hésitation et qui hésitent dans leur, euh, dans leur doute ou leur hésitation. Donc, celui qui a du doute, il n'a pas cru en Allah et il n'a pas cru au jour dernier. Et sa parole, la ilaha illallah, même s'il la prononce, des centaines, nuit et jour, elle ne lui sera pas profitable tant qu'il aura ce doute-là en lui. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه غير شاك بهما الا دخل الجنه يجي البروفات صلى الله عليه وسلم صلى ابو هريره رضي الله عنه يجي لو يجي جاء La ilaha illallah Et j'atteste que je suis le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Puis il dit quoi Nul ne rencontre Allah avec ces deux là C'est à dire avec ces deux attestations La ilaha illallah Ou à Muhammad rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam, Qui rencontre Allah avec ces deux là Ces deux attestations là Ghayr En n'ayant aucun doute Là dessus Regardez le point qu'il a souligné ici. en n'ayant aucun doute là-dessus, convaincu à 100% de la véracité de ces deux paroles, sans qu'il n'entre au paradis. Sans qu'il n'entre au paradis. Vous voyez Mais la condition, c'est quoi Sans aucun doute. alayhi wa sallam, من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فبشره بالجنة طيب دعونا حديث قال أبو هريرة رضي الله عنه كي أتيك للمسجد الله صلى الله عليه وسلم lui a dit celui que tu rencontres derrière Ce jardin, et qui atteste devant toi, La ilaha illallah, Mustayqinan biha qalbu » et dont le cœur est convaincu et a la certitude de cette parole-là, qui est La ilaha illallah, biljannah. Annonce-lui la bonne nouvelle, qui est celle du paradis. Donc, encore une fois, la condition ici, elle est clairement exposée par le prophète, Mustayqinan biha qalbu » Il faut que le et de ce qu signifie, de ce qu implique. فإذا كان الشخص شاكاً أي متردداً فمرة يقول لا إله إلا الله ومرة يأتي بما يناقضها بحسب ما يبدو له فهذا ليس على يقين منها وليس له شيء من الثواب. Donc, celui qui doute, qui hésite, une fois il dit La ilaha illallah, mais une autre fois il fait des choses qui viennent contredire La ilaha illallah, ou dit des choses qui viennent annuler La ilaha illallah. Donc, celui-là, il n'a pas la certitude concernant cette parole et il n'aura aucune récompense réservé pour ceux qui prononcent la parole « La ilaha illallah » avec science et certitude. Avec science et certitude. Donc s'il veut que cette parole-là lui soit profitable ici et dans le delà, il doit respecter déjà ces deux premières conditions qui sont « ilm la science et la certitude. « Wa shakufi al »« huwa al-ihtimalu » al naqida فإذا كانت نسبة احتمال النقيض 50% فهو شك وإذا زادت النسبة كان ظنا وإذا نزلت عن الخمسين صار وهما فليس معنى المنافاة للشك هنا أنه إذا كان عند الشخص شكوك بنسبة عشرة مثلا فإنه يكون موقنا بنسبة تسعين مثلا بل لا بد أن يكون موقنا بنسبة مئة بالمئة فلا يتطرق ادنى شك الى هذا اليقين فشكنا يشمل ما يحتمل النقيض بجميع صوره الظن والشك والوهم فهذه كلها يقابلها اليقين وهو العلم الجازم الذي لا يحتمل النقيض فاذا نقص جزء يسير منه لم يعد يقينا لم يعد يقينا اذا عرفنا الظن الاصطلاحي وهو ما يحتمل النقيض المرجوح فماذا عن قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم نقول الظن هنا في الآية عند أهل العلم بمعنى اليقين والاعتقاد الجازم وإلا فمن يشك أو يتردد في لقاء الله أو كانت عنده نسبة ولو يسيرة باحتمال أنه لا يلاقي ربه فمثل هذا لا يصح إيمانه طيب نتعمل إن شاء الله تعالى donc il faut savoir que tu peux trouver chez certains savants, notamment les savants des usuls, les savants des fondements de l'islam, par rapport à certains termes tels que « al-sheikh »,« al-ilmu »,« al-jahlu »,« al-jahlu al-basid » ou « al-jahlu al-marakab »,« al-sheikh »,« al-wahm »,« al-dhan ». Chaque terme ici, c'est un terme technique, qui sont très proches les uns des autres, mais qui vont avoir chacun une, une définition propre et technique. Par exemple, le terme échec, chez certains, échec, c'est ce qu'on appelle al-Ehtimal, moussaoui C'est un doute. D'accord C'est un doute. Mais un doute, pas n'importe lequel. C'est un doute qui fait que la probabilité, elle est à part égale. Une probabilité à part égale. 50-50. D'accord Hada ou échec comme il le dit chaque et avec la probabilité à part égale donc l'information elle, elle est elle est elle est perçue chez toi comme étant quelque chose qui peut être vrai, mais aussi qui peut être fausse à 50 50 ça c'est un doute et en arabe ce doute là on dit c'est un chèque. On dit c'est un chèque. Donc c'est le fait de percevoir une chose dont le contraire est aussi possible. Et en plus de la même probabilité. 50, 50. Et ils disent aussi que lorsque la probabilité du contraire, elle est moins forte, c'est-à-dire elle descend en dessous de 50, eh bien la probabilité qui est moins forte, on l'appelle comment On l'appelle wahm ». On l'appelle Wahm. Lorsque tu perçois quelque chose, mais tu crois que le contraire est plus probable. Et je pense que c'est ça, mais je pense que le contraire est plus probable. Maintenant, tu es à 20% et 80%. Le 20% là, c'est un Wahm chez les savants des hauts Ou chez les savants de manière générale, c'est un Wahm. Et le 80%, c'est un Van. C'est un Van. Et l'ilmou, c'est quoi l'ilmou, du coup La définition de la science, c'est quoi Non. <coughs> tu peux dire, c'est la certitude. C'est le fait de connaître une chose, de percevoir une chose sur ce qu'elle est réellement. <coughs> D'accord Tu perçois la chose. Selon vraiment sa réalité. C'est ça la science. Et tu en es sûr. Tu n'as aucun doute. Donc si tu as un doute, c'est pas du rhym. Lorsque ton professeur te pose une question, mais que tu réponds en ayant un doute, c'est pas du rhym ça. Ça, c'est un van. Ça, c'est un van. Tu réponds, mais tu as un petit doute. C'est un van. C'est pas du rhym. Pour que ce soit du rhym, il faut que tu n'aies aucun doute sur ce que tu sais. Ça y est. Comme on a dit tout à l'heure, Quelqu'un qui est hafid, c'est quelqu'un qui est sûr qu'il est en train de réciter sans faire de faute. S'il a un doute, ce n'est pas du hiv ça. C'est pas un hafid. Un hafid, c'est celui que tu vas euh, prononcer n'importe quel verset du Quran, il est capable de continuer. Ça, c'est un حافظ. Il est capable de comprendre. Il est capable de t'expliquer le verset. Il est capable de mettre en pratique ce verset-là. Ça, c'est un hafid. Sinon, ce n'est pas des hafid. ce n'est pas des vrais donc, le rilmou, c'est ça. Et le jahlou, c'est quoi le jahlou L'ignorance. Le jahlou, le fait que tu ne connais pas la chose de manière complète. On te dit par exemple, en quelle année s'est produit le pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed أنت تقول لا أدري شيء با الله أعلم هذا جهل بسيط سي إن نيغونس سام جو سي با مانا انا اون اوتر نيغونس كي بوكو بلو غراف سي لاكيل ان عرب كما ندي الجهل المركب الجهل المركب طيب هو ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه Maintenant, on te dit, c'était quand la, le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça coule Fi sana al-khamisa, min al-hijra. Hada jahl, murakkab. Donc toi, tu crois que ça s'est produit en l'an 5 de l'hégir, alors que pas du tout. Tu crois que c'est la vérité, alors que c'est faux. Ça, c'est une ignorance sur une ignorance. C'est pour ça qu'on l'appelle jahlun murakab. C'est hmm? une ignorance à C'est pire qu'une ignorance simple. Parce que celui qui ignore.

donc, celui qui dit, je sais pas, on lui apprend, on lui dit, c'est la dixième année. Mais celui qui dit, c'est la cinquième, sixième, septième, c'est vrai Mais aujourd'hui, il est tout seul, Miskin. C'est pas juste. C'est le fait de percevoir une chose contrairement à sa réalité. Et tu crois savoir en plus. Donc celui qui croit alors qu'il ne sait pas, ça c'est pire parce que lui, ne cherchera pas à se corriger. Il ne cherchera pas la bonne réponse. Mais pour, tout ça pour dire quoi, Echotefila Tout ça pour dire que lorsqu'on dit celui qui doute, van, elle a dit qu'il... Non, un chèque. Celui qui a un chèque en hein, lui par rapport à la parole là, la là, on ne parle pas du chèque 50-50, qui voudrait dire que s'il si a un van, yani il, a, il a 80%... Certain, la parole là et là, mais qu'il a 20% de doute, du coup, sa condition, elle est valide quand même. Non, non, il faut qu'il soit certain de ce que cela implique à 100%. S'il a ne serait-ce que 1% de doute, 1% de doute, sa parole là et là, n'est pas valide. Sa parole là ne sera pas valide. Il faut qu'il soit certain à 100%. Est-ce que c'est clair, les frères Et, entendez-moi ici, ici, euh, qui fait le chir, fid'Allah dans la surah Al-Baqara, où Allah il dit Allah il utilise ici le verbe qui à la base, on a dit, veut dire le fait de douter. Le fait de douter, de penser une chose dont le contraire est moins probable. Mais ici, ça, ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala il parle de ceux qui ne seraient pas certains qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Subhanahu wa non ici le dhan, il a le sens de ceux qui sont certains de rencontrer leur seigneur subhanahu wa et jaziman, avec une croyance convaincue et sans aucun doute car celui qui doute celui qui doute qu'il va rencontrer Allah tabarak wa ou qu'il y a ne serait-ce que un pourcentage infime du fait qu'il va rencontrer son seigneur est-ce que sa foi elle est valide sa foi n'est pas valide il n'existe pas de foi. Elle y mène avec le doute. Ça n'existe pas. La foi toujours, doit être toujours accompagnée, associée à la certitude. Elle y a rien D'accord Donc la personne doit croire en Allah. Doit croire qu'elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Doit croire aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, au destin. Et cela sans aucune once de doute. Ne serait-ce que 0,1% de doute. Qu'Allah wa

ولا هم يحزنون